Bonjour everyone. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui va vous révéler des choses sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En général, quand on voit les gens sur les réseaux sociaux, ils sont joviaux comme ça. Très contents, tout joyeux, tout souriant. Mais beaucoup d'entre eux ont des problèmes. Et c'est ce que cet homme qui est ici va nous révéler. Ah, c'est vraiment triste. Écoutons ça. Un des problèmes avec les réseaux sociaux, en dehors du fait que vous vous faites remarquer, je pense que, particulièrement avec Instagram, les gens ont l'air d'avoir une meilleure vie qu'ils ne l'ont en réalité. Grâce au filtre. Ouais, les gens postent des photos d'eux quand ils sont vraiment heureux. Ils font des modifications sur leurs photos pour se mettre en valeur. Même quand ils modifient pas leurs photos, ils sélectionnent au moins les photos avec le meilleur éclairage, le meilleur angle. Donc, les gens s'affichent de sorte à ce qu'ils soient bien plus beaux qu'ils ne le sont en réalité. Et ils semblent bien plus heureux qu'ils ne le sont vraiment. Donc si tu regardes les gens sur Instagram, tu pourrais penser, mec, ils ont tous l'air si beaux et si heureux. Et je ne suis pas si bien que tous ces gens. Donc, je suis nul, tu sais. Et ça va, tu vas déprimer. Et alors qu'en fait, tous ces gens que tu imagines super heureux sont à vrai dire très malheureux. Je dirais même très dépressifs, très tristes. Donc les gens les plus heureux qu'on voit ont en réalité une part de tristesse. Et parce que personne se sent bien tout le temps, peu importe qui tu es. Vous voyez ça? Est-ce telle chose qu'il n'a pas voulu dire? Mais moi, je sais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Écoutons-le encore. Première planète. Un des problèmes avec les réseaux sociaux, en dehors du fait que vous vous faites remarquer, je pense que, particulièrement avec Instagram, les gens ont l'air d'avoir une meilleure vie qu'ils ne l'ont en réalité. Grâce au filtre. Ouais, les gens postent des photos d'eux quand ils sont vraiment heureux. Ils font des modifications sur leurs photos pour se mettre en valeur. Même quand ils modifient pas leurs photos, ils sélectionnent au moins les photos avec le meilleur éclairage, le meilleur angle. Donc, les gens s'affichent de sorte à ce qu'ils soient bien plus beaux qu'ils ne le sont en réalité. Et ils semblent bien plus heureux qu'ils ne le sont vraiment. Donc si tu regardes les gens sur Instagram, tu pourrais penser, mec, ils ont tous l'air si beaux et si heureux. Et je ne suis pas si bien que tous ces gens. Donc, je suis nul, tu sais. Et ça va, tu vas déprimer. Et alors qu'en fait, tous ces gens que tu imagines super heureux sont à vrai dire très malheureux. Je dirais même très dépressifs, très tristes. Donc les gens les plus heureux qu'on voit ont en réalité une part de tristesse. Et parce que personne se sent bien tout le temps, peu importe qui tu es. Un des problèmes avec lui. Bien. Je nous dis, on ne monte pas son village avec sa main gauche. Il est tenté de nous révéler des choses cachées sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens nous présentent une vie de rêve, alors que la réalité est parfois tout autre. Il nous parle de dépression. Il nous parle de crise et de tout ça. Mais quand vous voyez ces gens sur les réseaux sociaux, ils sont tout en souriant. Parce qu'ils doivent l'être. Ils doivent l'être. Ils ne veulent pas paraître comme des gens qui ont des problèmes, quoi. Ils veulent tout le temps montrer aux gens qui sont bling bling, qui sont tout. Alors que il y a des hauts et des bas dans la vie. Les hauts et des bas dans la vie. Mais je pense que les hauts et des bas, on en connaît tous. Mais ce dont il est en train de parler là, c'est plus profond que les histoires des hauts et des bas. Moi, ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, faites très attention quand vous vous trouvez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Parfois, on tombe sur des choses qui nous font nous sentir mal. Par exemple, toi,
C'était de lutter pour réussir, tu n'arrivais pas. Et tu vois quelqu'un qui expose beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux comme ça. Et toi, tu te dis, ah, vraiment, quelle est la différence entre cette personne et moi? Tu commences à te torturer l'esprit. Tu commences à dire, je dois tout faire pour avoir l'argent. Je dois tout faire pour devenir riche. Je dois tout faire pour devenir riche. Même si c'est pour donner mon âme au diable. Juste parce que toi aussi, tu veux juste réussir. Tu veux juste avoir tout ce que les autres ont. Or, ce qu'il te faut, c'est le juste nécessaire. Le juste nécessaire. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est ce qu'il y a pour toi. Ne force pas tellement les choses. Si Dieu doit te rendre super, super riche, il va le faire. Si ça se trouve dans ta vie, il va le faire. Pour l'instant, travaille, fais des sacrifices, et puis évolue, évolue, mais sans regarder le couloir de l'autre. C'est comme nous sommes en train de courir dans un stade. Vous voyez les Jeux olympiques, on court dans les stades. Chacun a sa piste. Tu dois pas venir gêner l'autre. Tu ne dois pas regarder l'autre, sinon tu seras distrait. Avance au rythme que Dieu veut que tu avances. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui nous montraient tout le temps qu'elles se sentaient bien, qu'elles étaient bien, tout le temps dans les voitures de luxe, tout le temps dans les trucs. Et un jour, on apprend comme ça, boum, la personne se donne la mort, la personne se suicide. La personne prend sa caméra et dit, bon, écoutez, ceci est mon dernier live, je vous parle pour vous dire au revoir. Mais que se passe-t-il? Pour devenir célèbre, il y a aussi des gens qui ont décidé de toucher à des choses interdites. Comme on dit chez nous, si tu veux atteindre un niveau le plus haut de ta vie, c'est-à-dire si tu veux atteindre ton objectif le plus élevé dans ce monde, parfois tu risques de rencontrer des gens qui vont te faire signer un contrat avec ton nom écrit. Mais ce n'est pas avec un piquet, hein. Ce n'est pas avec de l'encre, hein. C'est avec ton sang. Donc, si tu risques de rencontrer des gens qui vont te faire voir ton âme au diable. Parce que ton but le plus élevé que tu veux atteindre, c'est tellement haut que ce monde-là, le seul moyen que le monde t'offre, c'est de faire un deal avec le diable. Là maintenant, tu vas marcher dans ce monde sans âme. Tout ton corps sera utilisé par les démons. Physiquement, on va te voir en train de tirer la photo comme ça. Parce que tu as maintenant ce que tu veux. Mais tu n'as plus d'âme. Ton âme est déjà partie et ça laisse place au chagrin. Que tu peux uniquement montrer que lorsque ta caméra est fermée, que lorsque tu n'es pas en train de te prendre la photo. On découvre après les dépressions, les gens qui se sont suicidés, des gens qui prennent de la drogue. Il y a tellement de choses. Moi, je vous dis que la vie des reçus, les réseaux sociaux montrent tout ce qui est parfait. C'est presque la perfection. Mais la réalité est tout autre. Je vais prendre encore un autre exemple. Regardez un peu. Sur les réseaux sociaux et dans l'industrie de la musique, les gens là-bas vous présentent beaucoup de filles, des filles sexy dans les clips. Et ils vous montrent combien de fois il est bien d'avoir autant de filles autour de soi. Maintenant, vous voyez ça. Vous dites que vous voulez faire comme votre ça. Vous voulez avoir aussi plein de filles autour de vous. Or, quand tu as une copine à côté de toi, quand tu as une de ces filles-là à côté de toi, ce qui se passe, c'est que si tu es un vrai homme, tu ne vas pas t'asseoir pour la regarder. Forcément, quelque chose va se passer. Il y aura des rapports sexuels. Maintenant, quand ça va venir, toi, tu vas te croire vraiment puissant. Tu vas te croire vraiment fort. Mais c'est là que tu vas comprendre que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Quand elle va venir te dire, par exemple, qu'elle est enceinte. Quand elle va te dire qu'elle est enceinte, là, tu auras l'impression que tu quittes le ciel pour tomber.
parce que tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé à cela. Ils t'ont montré toutes ces choses sans te donner les conséquences de tout ça, sans te prévenir que la fille pourrait tomber enceinte si tu ne te protèges pas ou bien si tu fais ça bizarrement. Maintenant, tu es face à un problème. Tu voulais suivre les gens en faisant comme eux, sans savoir que en suivant le diable, on prend d'énormes risques. Et oui, maintenant te voici. Tu n'es pas préparé à être père. Et tu te mets à lui dire, bon, tu te mets à dire à la fille, vraiment, je ne suis pas prêt, mais je pense qu'on peut trouver la solution. Et la seule solution que tu trouves, c'est l'avortement. Parce que tu n'es pas prêt. Et si la fille accepte d'avorter, la deuxième fois tu vas coucher, elle encore va te penser, tu vas lui demander d'avorter pour une deuxième fois. Après, une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois, ça ne va pas s'arrêter, ça ne ferait que continuer. Alors que tu n'es pas prêt. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut te dire? Dieu peut te dire, mais si tu n'es pas prêt et que tu ne sois pas vraiment prêt à avoir un enfant, il faut donc attacher ta ceinture, évite les copines, concentre-toi plutôt sur comment tu vas faire pour devenir un vrai homme, un vrai gars, une vraie personne. Concentre-toi sur tes études, par exemple. Travaille, développe tes activités. Au lieu de passer ton temps à fouiller dans les caleçons des filles, parce que juste toi, tu veux faire comme les stars des réseaux sociaux ou bien les stars de la musique pour fans. Ça là, ce sont déjà des personnes que la Bible appelle les mauvais conseillers. Qu'est-ce que Dieu nous a dit par rapport à eux? Dieu nous a clairement dit qu'il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Les gens, des personnes sur la terre que nous ne devons pas suivre parce que, en les suivant, ces gens-là peuvent nous induire en erreur. Ces gens-là peuvent nous induire dans les problèmes. Et ils ne seront pas là pour nous aider à résoudre nos problèmes. La fille est enceinte, tu dis quoi? Tu fais quoi? Qui va venir t'aider à résoudre ce problème que tu vas avoir? En fait, c'est une charge. La vie n'est pas aussi simple que ça a l'air. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, comme ce que vous voyez là-bas, vraiment, c'est parfois trop beau pour être vrai. Je vous assure, hein, c'est parfois trop beau pour être vrai. En tout cas, moi, je vous dis, arrêtez de vous perturber l'esprit à cause de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si vous voyez que vous voyez beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, ça vous choque, ne regardez plus ça. Allez de l'avant. Si vous voyez que voir beaucoup de filles sexy dans les clips, ça ne vous arrange plus, ne regardez plus ces clips. Sinon, ça va vous fatiguer. En tout cas, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ça sera maintenant à vous de faire le bon choix et d'orienter votre vie selon le Seigneur, selon Dieu, selon ce qui est juste. Parce que la plupart des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux nous induisent tout droit vers ce qui est mauvais. Parfois même, certains sont payés pour ça. Certains sont payés pour faire des publicités, des choses qui vont détruire même leurs fans. Le savez-vous? Ces gens, genre moi, quelqu'un vient me voir pour me dire, ah vraiment, bon, tu t'appelles Nyan Sreborn, je connais ta chaîne, et tu as des abonnés, tu as des gens qui te suivent. Est-ce que tu peux présenter mon produit là au chat? Je dis, bon, ton produit là, c'est quoi? La personne me dit, ah, mon produit là, c'est pour se brosser les dents. Mais il dit, ah, il lui pose la question, mais, ah, est-ce que tu es sûr que ça marche? Il va dire, ah oui, ça, absolument, ça marche. Il dit, bon, tu dis que ton produit marche, bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais attends, donne-moi ton produit, je vais tester ton produit. Mais là, je prends son produit là et je mets ça, je me brosse avec. Le matin, je me lève. Mes dents sont devenues plus jaunes que jaunes. Il dit, mais quoi? Mais quoi? Tu veux rendre les dents de mes abonnés si jaunes, jaunes, quoi? Vous voyez ça? Là, moi-même, j'ai testé. Mais imaginez cet instant où je n'avais pas testé le produit. Et à cause de l'argent, je vais vous demander d'acheter le produit.
Qu'est-ce que vous allez dire après? Vous allez dire, ah, Agnès Roubonne, que se passe-t-il? Le produit que tu nous as conseillé là vraiment nous fait du mal. Est-ce que vous serez content? C'est ce qui se passe. Vous, c'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous dis vous-même là, analysez les choses selon la parole de Dieu et selon ce que Dieu vous dit. Parce que si vous voulez regarder les gens et suivre ce que les gens font sur les réseaux sociaux, un jour vous allez vous retrouver dans les problèmes, vous ne savez même pas comment faire pour vous en sortir. Regardez, sur les réseaux sociaux, il y a maintenant beaucoup de personnes qui se font passer pour des coachs. Coach en ceci, coach en cela. Il ne faut que parler du sexe matin, midi et soir. Mais ils ne vous disent pas comment vous allez éduquer les enfants. Parce que faire les enfants, c'est très facile. Mais les éduquer, là, ah, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Ah, ça, je vous assure. C'est le métier le plus difficile au monde. Aïe, 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 aïe. Alors que alors que ces gens ne font que nous parler des positions sexuelles, comment est-ce que tu vas satisfaire ta femme, comment est-ce que tu vas faire ceci, mais pour que ce qui concerne l'éducation, non, 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 non. Ils ne peuvent pas en parler parce que ça n'attire pas les gens. Ça ne fait pas le buzz. C'est quand on parle des positions sexuelles et tout ça que ça attire le monde. Vous voyez comment le monde est devenu? Vous voyez comment le monde est devenu? Il y a beaucoup de sujets dont je pourrais parler ici et faire si sont bonnes. Ça rapporte beaucoup d'argent. Mais je dis, je veux pas être opposé à ma conscience. Je ne veux pas faire un truc et puis j'aurai quelque chose sur ma conscience, quoi. Vous voyez, non? Je veux pas ça. Parce qu'il y a des gens d'argent là. Quand vous prenez ça là, c'est pas bon pour votre esprit. Je vous assure. C'est beaucoup d'argent, mais vous sentez que si vous continuez sur cette voie, c'est pas bon pour votre esprit. C'est pas bon pour votre éternité. C'est comme quelqu'un qui coupe les têtes des gens pour vendre. Et c'est comme ça qu'il se fait de l'argent. Ou bien un tueur en série. Ou bien, en fait, un tueur en ga à gage. Un tueur en gage. Sur les gens, on le paye. Ça, là. Ça joue sur la conscience après. C'est perturbant. Mais vous avez l'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Et vous pouvez venir exposer votre argent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir rire devant tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais nous savons qu'avant ça, vous buvez beaucoup de l'alcool. Certains même fument de la drogue. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas être tranquilles. Et il y a tout ce monde-là sur les réseaux sociaux. Même les démons sont là. Même les démons sont ici parmi nous. Les démons aussi se prennent en selfie. Le diable se prend en selfie. Il y a tellement de choses. Il y a des sorciers sur les réseaux sociaux. Il y a des sorcières sur les réseaux sociaux. Tout le temps que vous allez sur les réseaux sociaux, vous ne faites que voir les filles qui dansent, qui montent les fesses. Pourquoi elles le font? Elles le font parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui attire les gens. Elles s'en foutent du fait qu'un jour, elles vont se marier et que leur future belle-mère peut voir ça. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent même aujourd'hui. Elles s'en foutent de ça demain. Parce qu'elles veulent faire comme Kim Kardashian. Parce qu'elles veulent faire comme Nicki Minaj. Mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Elles s'en foutent. Elles ne se posent même pas toutes ces questions. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Actuellement, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Comment utiliser leur corps pour se faire de l'argent facile? Et tous les moyens sont à leur portée. Ce que l'une fait, c'est ce que toutes les autres font. C'est là où on dit que le monde est corrompu. C'est là où on dit que le monde va dans le mauvais sens. C'est là qu'on dit que les êtres humains sont plus attirés vers le mal que le bien. Quand tu fais les choses qui ne sont pas bien et que tu es un bad boy, tout le monde t'aime ici dans ce monde. Vous n'avez pas remarqué.
Même les filles, elles aiment les bad boys, les mauvais garçons, les garçons manqués. Quand tu es un gars, tu insultes mal. Toi là-bas, ton maudia. Toi là-bas, ton ceci. Tout le monde te regarde en disant, ouais, sur la ceinture. Sur la ceinture. Alors que c'est censé être bizarre, ou même mauvais, ce que tu as de faire. Quand tu finis de prononcer toutes ces choses, tu es seul. Dans ta tête, tu te dis, est-ce qu'il fallait que je dise ça? Ça commence à te perturber. Frères et sœurs, le monde des réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Moi, je ne suis pas du genre à cacher mes choses. Si j'ai péché hier, je vous viens vous dire si j'ai péché. Si j'ai fait les choses qui ne sont pas bonnes, je vais vous dire j'ai fait les choses qui ne sont pas bonnes. Si j'ai posé une action qui a aidé quelqu'un, ça m'a tellement touché, je vais aussi vous dire que vraiment, c'est maintenant que je vois que j'ai un bon cœur. Parce que moi-même, je ne savais pas. Début de cette année, je pense. Non, vraiment, c'est pas possible. Mais en tout cas, mes frères et sœurs, vivez votre vie paisiblement. Ne vous embrouillez plus parce que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Et n'oubliez pas de laisser vos j'aime. C'est parti.